Je suis perdue dès l'arrivée. Tout est nouveau, inconnu. Je ne sais pas où regarder. Quand on a l'habitude d'un lieu, qu'on sait où on va, ce qu'on va faire, on ne se demande pas où regarder. Ça se fait sans y penser. C'est bien de penser de temps en temps, de rien savoir d'avance, de se confronter. Je viens vous voir, vous rencontrer, je vous piste. On peut explorer les gens sont des milliers de territoires inconnus. Les gens remplacent les paysages. Les gens remplacent toute la sauvagerie du monde. Petit à petit, les gens remplacent les bêtes sauvages par des chaises et des meubles. Les gens s'assoient pour s'explorer entre eux, séparés par des vitres sur leurs chaises. Je vous cherche en marchant, car je sais que vous explorez en marchant. Vous n'en avez pas fini avec le monde. Peut-être nous croisons-nous sans nous voir, du coup peut-être devrais-je m'arrêter. Mais si vous faites pareil, jamais nous ne nous trouverons. Je vous cherche, je suis perdue. Je traîne ma valise derrière moi. Je ne suis pas venue sans rien. Avoir des affaires me protège, même si je dois les surveiller. Il y a ce truc de se dire qu'en cas de problème, je pourrais toujours les troquer. Comme les bracelets en or, les bijoux des femmes étaient leur épargne, leur moyen de s'enfuir. Mes affaires ici, en réalité, me permettront de m'occuper. Si jamais je ne vous intéresse pas, si je ne sais pas quoi dire, c'est une assurance contre la solitude. Je pense à quand je m'enfermais au collège, dans les WC pour lire tranquille. Les WC sont des grottes contemporaines, humides. Ce sont des fissures dans l'emploi du temps, dans lesquelles on gribouille pour garder l'esprit occupé et éviter la faille du retour au réel, au concret,